Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est enfin en vacances avec Lily Rose et Peppa Pink. Là, ils sont partis faire les courses. On est enfin tranquille. On a réussi à s'enfuir de notre maison. Il y a personne qui nous a suivis. La sorcière nous a pas su... Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, enfin, écoutez. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière le volet. Eh oh ! J'espère que c'est pas... Lily Rose, c'est toi qui me fais une blague ? C'est vraiment pas drôle, là j'ai démarré une vidéo en expliquant qu'on est en vacances. Pour une fois on va être tranquille, il y aura pas de problème, personne nous a suivis. Il y a pas de fantôme dans cette maison, il y a... Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'en fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, la journée, il faut fermer les volets, hein. Parce que là, les amis, on est dans le sud de la France, il fait super chaud, on n'est pas habitué. Nous, on vient du nord de la France, là. Quand on est arrivé, on a fermé les volets tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais t'en fais pas pour ça. Comment ça, t'en fais pas pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Qu'est-ce que... Tu jettes un sort à la chaise, là? Eh oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oh, tu fais quoi? Eh oh, t'avais dit que t'allais nous laisser tranquille. Et elle part comme ça. Bon, les amis, c'est une catastrophe, je vais continuer mes explications. Normalement, elle n'était pas censée nous suivre. On était censé passer des vacances tranquilles, une semaine tranquille en famille. On a tout fait pour trouver un endroit le plus discret possible. On voulait pas que la sorcière nous suive. On voulait pas que tous les gens qui nous gâchent la vie à longueur d'année, les voleurs qui rentrent à chaque fois chez nous, nous suivent, tout ça. On a pris l'endroit le plus calme possible. Et là, regardez. Ça fait une heure qu'on est arrivé dans l'appartement. Il y a déjà la sorcière qui débarque de nulle part. La sorcière ? T'es où ? Eh oh ! Mais elle est où ? Maintenant, va falloir partir, c'est bon. T'as fait le prank des vacances. T'es arrivé alors que c'était interdit. La sorcière ? Non mais je vous jure, elle a vraiment disparu. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La sorcière ? Valentin ? Je ressors des toilettes. Ça va ? Bah, ça va mieux. Mais t'es pas allé faire les courses avec eux ? Bah non, je suis pas venu faire les courses avec eux. Me dis pas que t'es malade ? Bah, un petit peu, mais ça va aller, t'inquiète. Oh, c'est pas possible, les vacances commencent bien. Alors lui, il est malade, il vient de ressortir des toilettes, je vais pas savoir ce que t'as. Bon, écoute, tu l'as entendu ou pas ? Qui ça ? La sorcière. Ah, c'était elle qui a fait tout ce boucan ? Mais oui, tu l'as entendu rigoler, là ? Bah oui, mais avec son petit rire, là. elle arrêtait pas de faire des... D'ailleurs... Ouais. Attends, elle a jeté un sort à cette chaise-là. Non, surtout t'assois pas. Bon, attends, j'étais en train de démarrer la vidéo pour expliquer aux abonnés qu'on est en vacances et que pour une fois, on sera peut-être tranquille en famille. Ouais. Et là, il y a la sorcière qui a tapé au volet, comme ça, je sais pas comment elle a trouvé notre adresse, je sais pas comment elle nous a suivis, parce qu'elle était pas dans le train avec nous, voilà. Donc je sais pas comment elle a eu notre adresse. Et là, elle est rentrée direct, elle s'est précipitée vers la chaise, elle a jeté un sort. Donc, préviens tout le monde, surtout personne ne s'assoit sur cette chaise, ok? Ok, bah faut prévenir tout le monde, oui. Moi je vais. Oui, oui, surtout fais pas de bêtises. Reste là, fouille un peu au rez-de-chaussée, fouille un peu ici. Moi je vais regarder à l'étage si elle est pas restée là-bas. Okay. Bon, les amis, je vais regarder si elle s'est pas cachée dans les chambres. Parce que des fois la sorcière elle arrive à disparaître et réapparaître à un autre endroit. La sorcière, t'es là? Eh oh! Eh oh! En arrivant, j'ai fait une sieste, les amis, parce que j'étais fatigué avec tout ce qui se passe en ce moment chez nous, dans notre maison. Heureusement qu'on est en vacances. La sorcière ? Peut-être dans la salle de bain ? Non. Elle a l'air d'être vraiment partie. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle nous en veut, là. Elle veut vraiment nous suivre, elle veut vraiment gâcher notre vie. Eh oh, la sorcière ! T'es là ? Ouais, bon, elle est pas là. Cette chaise, je suis sûr... Elle a rien, elle est très bien. J'ai quand même vérifié dans la deuxième chambre ici pour voir si elle est pas cachée. Parce que dans cet appartement, il y a pas mal de placards comme ça. Valentin ? Ça va ? J'ai entendu crier. Moi, je suis pas fou là. Eh oh ! J'espère que tu t'es pas assis sur la chaise. On avait dit personne ne s'assoit sur cette chaise. Valentin ? Valentin ? Oh non, je suis sûr qu'il a fait la bêtise du siècle. Je suis sûr qu'il s'est assis sur la chaise. Parce que Valentin, à chaque fois, il dit « Oh, mais la sorcière, elle est gentille. Vous la respectez pas. À chaque fois, elle jette des sorts, mais c'est pour votre bien. Elle veut vous faire des pranks. » Sauf que là, c'est pas un prank. On est en vacances, on voulait être tranquille. Oh là là, comme par hasard. Valentin ! Valentin ! Mais t'es où ? T'es où ? Je suis ici. Où ça, ici ? Juste là. Où ça? Mais je te vois pas, t'es... Mais t'es devenu transparent ou quoi? À ta droite maintenant. À ta droite, mais... Où? Attendez, les amis... Derrière, ben oui, mais t'es pas là. Non, je sais pas si vous l'entendez, les amis, mais... Oui, bon, écoute,
Je sais pas où tu es, mais est-ce que tu t'es assis sur la chaise? Tu t'es assis sur la chaise? Oui. Oh, c'est pas possible. Je t'avais dit de pas le faire. La sorcière, elle est venue ici parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de nos vacances. Du coup, elle veut nous pourrir la vie. Oui, bah vous auriez dû l'inviter aussi. Elle est toute gentille. Non, on n'aurait pas dû inviter la sorcière. Tu sais très bien ce qu'elle fait. À chaque fois, elle fait des bêtises comme ça. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va annuler les courses de Peppa Pink et Lily Rose. Ils vont revenir au plus vite. Il faut qu'on retrouve la sorcière, qu'on la chasse d'ici, qu'on lui dise de plus jamais revenir et surtout qu'on retrouve Valentin. Bon là, Valentin, je pense que t'es devenu transparent. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis juste là, là. T'es où là? À ta gauche. Vas-y, va sur l'escalier. Bah, je peux pas aller sur l'escalier, gars. Mais pourquoi? T'es transparent ou qu'est-ce qui se passe? Eh oh! C'est bizarre, c'est compliqué à expliquer. Oh, c'est compliqué à expliquer. Bon, bah, si toi-même t'es pas capable de me dire où tu es. Bon. Allô, Peppa Pink? Oui. Il faut que tu reviennes vite à l'appartement, là. Oui, il est très bien, y'a pas de problème, mais. Là, le souci, c'est qu'il y a la sorcière qui nous a suivis. Je sais pas comment elle a eu l'adresse, je sais pas ce qui s'est passé, mais Oui, dans le jardin. Je l'ai retrouvée sur la terrasse, là, de l'appartement. Elle a atterri là. Oui, bah je sais pas. Et elle a déjà jeté un sort à une chaise. Il y a Valentin qui a disparu. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ok, t'arrives tout de suite? Oh, merci. Et surtout, dis à Lily Rose de ne rien toucher quand elle arrive dans l'appartement. Parce que je sais pas si elle a jeté un sort à d'autres objets. Bon, ça m'étonnerait pas qu'elle ait jeté un sort au piano, les amis. Donc je vais pas y toucher. Bon, Valentin, maintenant à nous deux. Ah, t'es... Oh, Valentin? Valentin? Oh. Mais t'étais où? J'étais juste là et j'ai été téléporté ici. Ah, c'est bon. Au moins t'es là maintenant. Et du coup, ça a duré combien de temps? Ça a duré au moins 10 minutes, cette histoire. À peu près. Bon, écoute, cette fois, tu vas suivre mes instructions. Si tu veux continuer les vacances avec nous et que tu veux pas que je te renvoie à Lille, que je te renvoie à la maison, chez toi, chez tes parents d'ailleurs. Non. Quand on dit on ne touche pas à un objet parce qu'il est hanté, parce que la sorcière y a touché, on n'y touche plus, d'accord? Plus du tout. Ok. Bon. Moi, je pense que je vais mettre une corde autour de la chaise pour que personne s'assoie ici. Parce que sinon, je sens que ça va être la catastrophe. Lily Rose, elle va rentrer. Elle va s'assoupir ici, comme ça. Elle va se mettre là. Oh non, il a disparu. J'aurais jamais dû faire ça et le pousser sur la chaise. Qu'est-ce que tu fais? Esteban! T'es là? Mais oui, je suis là. Mais t'es où? Comme toi, mon ami, je dois être transparent. Je suis à côté de l'escalier. C'est vrai? Dépêche-toi, va. Attends, j'arrive. Ah! C'est pas possible, cette chaise, elle nous téléporte. Derrière, il y a un couloir, là. Je comprenais pas où j'étais. Oh, bon, les amis, je sais pas ce que la sorcière a mis sur cette chaise, mais à chaque fois, on est téléporté à un autre endroit. On est transparent, on voit même plus nos mains, tout ça. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va attendre Lily Rose et Peppa Pink. J'espère que de leur côté, ça va aller, qu'ils vont pas toucher à trop d'objets ici et que la sorcière va arrêter ses âneries. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère en vacances. Peut-être qu'on va arrêter un petit peu pour éviter d'avoir trop de problèmes avec les monstres qui sont chez nous. À la prochaine. Ciao.